Bonsoir à tous, bienvenue sur Culture Sang et Or, l'Européen, l'émission qui débriefe les matchs de Ligue des Champions du Racing Club de Lens. Merci de nous retrouver donc pour parler à chaud de cette victoire face à Arsenal. C'était le retour de la Ligue des Champions au Stade Bollard de Lelys pour la première fois depuis une autre victoire, celle contre le Milan AC en octobre 2002. Et c'était très émouvant, mais l'essentiel, c'était surtout d'être à la hauteur face à cette équipe européenne ambitieuse, les Gunners. Et les Lensois l'ont été, franchement, ils ont réussi un exploit. C'est ce dont on discutera avec cette victoire 2-1 qui les place en tête du groupe. Et pour en débattre, je vais vous présenter nos quatre chroniqueurs du soir. Alors, il tient fièrement l'ambassade de Culture Sang et Or dans la capitale espagnole. Et son cœur est sangre y oro. C'est Antoine. Bonsoir, Antoine. Salut, Guy, et bonsoir à tous. C'est un père de famille qui a gardé le grain de folie qu'il faut pour suivre cette équipe, véritablement, car il est dans tous les stades. C'est Thomas. Bonsoir, Thomas. Bonsoir, Yves. Bonsoir à tous les supporters. Bonsoir. Il fête son anniversaire très, très bientôt, genre dans quelques minutes. Et j'oublie pas que je lui dois un cadeau. C'est Damien. Il est aussi en direct de Lens de sa voiture. Bonsoir, Damien. Bonsoir, Hugues. Bonsoir, tout le monde. Enfin, il garde le feu sacré qui a rendu ce club si spécial, si aimé dans le Nord-Pas-de-Calais et bien au-delà, dans le monde entier, en fait. C'est Sébastien Dallé. Bonsoir, Sébastien. Bonsoir, Hugues. Bonsoir, tout le monde. Alors, trêve de compliments. On va rentrer dans le vif du sujet. Je vais faire un tour de table pour vous demander de qualifier en un mot cette performance de nos Lensois et nous expliquer pourquoi vous avez choisi ce mot. Je commence par toi, Thomas. Indescriptible. C'est un truc de fou. On attendait ça depuis tellement longtemps, sur le terrain, dans le stade, la folie. C'est les larmes d'Ajaccio de l'année dernière ont rejailli ce soir sur beaucoup, beaucoup, beaucoup de visages. Damien, toi aussi, tu étais au stade. Comment tu décriras en un mot cette performance ? Extraordinaire. C'était extraordinaire à la fois par le football qu'on a pu voir sur la pelouse, mais aussi par l'ambiance en tribune. Waouh, j'ai pas beaucoup de mots, mais extraordinaire. Sébastien, toi aussi, tu es à Lens. Comment tu décrirais ce match ? J'étais au match, carrément. Moi, je dirais magique. Voilà. Ouais, tu m'as dit en un mot, magique. Il y avait beaucoup de magie ce soir. Et Antoine, toi qui étais plus tranquillement seul devant ton écran et qui sauté de joie, chanté, j'imagine, en un mot. Alors moi, je pense que j'ai vécu le match avec ma copine qui était dans le salon, qui regardait autre chose, clairement. Je pense qu'elle n'avait pas envie de capter mon stress. Et puis je pense qu'avec tout mon quartier aussi, tout mon immeuble espagnol, là, ils se sont dit, mais qu'est-ce qui se passe Séville n'a pas marqué, le Real, c'est pas maintenant qu'il marque. Enfin, tu vois, voilà, je n'ai pas de mots pour décrire ce qu'on a vu ce soir. C'était incroyable. Breathtaking, comme on dit chez les Anglais. Ouais, ce qu'on a vu ce soir, il y a eu une grosse entame des Lensois à 10 premières minutes où tout de suite les joueurs ont mis de l'intensité. Thomas, est-ce que toi tu sentais qu'il y avait quelque chose à faire dans ces premières minutes? Ouais, parce qu'on a deux occasions. Alors, vu des tribunes, je crois que c'est Danso et une Thomasson juste derrière. On se dit, bon, on commence le match mieux qu'à Séville. On va être là. Donc, les doutes qu'on aurait pu avoir sur le niveau avec Arsenal, vite dissipés. Et on sentait Arsenal sans idée, en fait, face au bloc très compact et très solidaire du Racing. Oui, et Antoine, le problème, c'est que dans des matchs comme ça, il ne faut faire aucune erreur. Et il y a un échange de passes qui se passe mal. Saka qui récupère le ballon et qui transmet tout de suite à Gabriel Jesus. Et là, Arsenal qui ouvre le score. Est-ce que tu en veux à ce moment-là à cette équipe ou est-ce que tu dis que c'est une péripétie, elle va être capable de surmonter ça? Ah non, sur le moment, clairement, j'en veux pas parce que c'est trop dur d'en vouloir pour une faute technique. Par contre, elle vient vraiment au pire moment parce que tu fais 15 premières minutes de qualité et clairement, c'est souvent, on dit, les grands matchs se jouent à rien. Et à ce moment-là, en fait, le rapport de force, t'as peur qu'il bascule complètement pour Arsenal parce que tu sens qu'il y a une qualité technique qui est vraiment supérieure côté Gunners et en plus de ça, tu leur facilites la vie. Donc ouais, à ce moment-là, vraiment, je me dis bon, bah on aura kiffé 15 minutes, une belle ambiance des tribunes, et puis malheureusement, j'ai vu un camion arriver, nous arriver droit dans la gueule. Mais
Mais Sébastien, toi qui fais partie souvent des optimistes, qui crois cette équipe capable de tout, même dans les moments difficiles, on sentait des Lensois qui restaient extrêmement concentrés, ils ne sont pas sortis de leur match. Ouais, tout à fait. L'entame a été vraiment, vraiment. Alors moi, je vais vous avouer quelque chose vraiment, vraiment. C'est mon premier match en vrai de Ligue des Champions. Et qui plus est, je le fais à Lens, chez moi. Et très honnêtement, j'ai beaucoup, beaucoup d'émotions ce soir parce que c'est une multitude de choses. Et oui, je suis optimiste parce que je connais l'état d'esprit lensois. Et c'est vrai que je rejoins complètement Antoine. Tu as pris un camion dans ta gueule, en fait, alors que tu as largement dominé les débats en début de match. Mais malgré tout, on connaît Lens, on connaît cet état d'esprit. Et je me suis dit, ça commence comme ça. Effectivement, OK. Clinique, Arsenal, clinique. Voilà, une faute, bim, but. Ok, d'accord. Ah, c'est ça la Ligue des Champions, en fait. Ok. Mais oui, et là, je vais passer la parole à Damien. On a vu que les Londoniens, finalement, étaient dans une sorte de routine où ils se passaient le ballon et ils n'ont pas senti venir la révolte. Et la révolte, par exemple, elle est venue de Machado qui récupère cette mauvaise relance de Raya. Ça, c'est significatif d'une équipe qui est capable de mettre le danger à n'importe quel moment. Et c'est surtout significatif d'une équipe qui a retrouvé beaucoup, beaucoup d'agressivité sur ce match. J'ai très envie de faire une dédicace à Guillaume. On est resté fidèle à nos principes. On est arrivé sur le terrain lors des premières secondes avec des principes de jeu. On les a respectés, je pense, de bout en bout. Et l'agressivité qui a été mise sur ce match, enfin, Samed et Nampalis Mendy ont été mais impressionnants. Ils ont littéralement bouffé. Ils m'ont épuisé. Je peux faire une petite dédicace. Je serais curieux de voir leur data après ce match-là parce qu'ils ont dû parcourir un nombre de kilomètres. Ça doit être impressionnant. Mais oui, donc beaucoup d'agressivité, agressivité qui nous amène le but parce que pareil, Wai est agressif, lui aussi sur le ballon. Il fait la passe qu'il faut pour Thomasson qui est aussi agressif. Il va de l'avant, boum, il frappe et le but est absolument magnifique. C'est un artiste, Wai, sur sa déviation, c'est un artiste. Il fait contrôle en arrière, là. On dirait presque un basketteur, tu sais, qui met un shoot en step back. Et puis Thomasson. Par contre, moi, sur la partie dédicace, je me permets, j'en fais une à un membre de Culture Senior, Antoine, qui avait parlé de plafond de verre pour Florian Sotoka. Alors là, le plafond de verre, il l'a éclaté, mais il l'a explosé. Il l'a éparpillé, le plafond de verre. Là, franchement, là, Antoine Combe, je suis désolé, hein, je t'apprécie beaucoup, mais sur le coup, là, il y a 3 semaines, quand tu nous as réveillé, Florian Sotoka, et je te remercie. Ouais, Sébastien, décris-nous un peu l'ambiance après ce but, parce qu'on sentait que le stade était un peu réservé sur la capacité des Lensois à revenir. Mais là, une fois qu'il y a l'égalisation, l'ambiance, elle part dans une sorte de folie. Ouais, alors c'est vrai que je me permets, et mon Dieu, comment je dois beaucoup de respect à tout ce public lensois. Mais j'ai senti, effectivement, après le but d'Arsenal, ça a plombé le stade. Parce que c'est parti, mais de dingue, en mode Ligue des Champions, et le but a plombé le stade. Thomas, qui nous expliquera, parce qu'il est mieux placé que moi pour le dire, et j'ai senti effectivement une chape de plomb un peu, tu vois. Alors après, mon Dieu, l'égalisation, mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais qu'est-ce qu'on les a chicotés? Et là, c'est reparti. Et après, ça n'a plus jamais quitté le stade, en fait, jusqu'au bout. Mais cette ambiance et le tifo, on peut en parler du tifo, carton vert. Oh non, mais j'anticipe. Non, mais tranquille, on a une émission, je crois, jusqu'à 2h30 du matin. Donc, on a vraiment le temps. Je suis désolé, on va essayer de rester dans les limites. Mais oui, Thomas, quand on a une équipe qui, comme Lens, a peu de possession sur ce match, on est à 31% de possession à la mi-temps, 33% à la fin. On est privé de ballon. On a quand même peu d'attaques placées, peu d'occasions de se faire des successions de passes, c'est hyper important d'avoir le public derrière soi. Bah, je pense, je suis pas joueur pro, mais on a tout fait pour les pousser et jamais arrêter. Seb parle d'une baisse après le premier but.
De la marée, concrètement, je ne le sens pas. Je sens toute la tribune à fond. Les chants super, super bien. Et même le stade est prêt à basculer dans une folie. Tu sens qu'il y a quelque chose qui se passe, un truc mystique pendant ce match. Tu es serein. Tu sens que quelque chose va arriver. Et Thomasson fait sa passe entrée. Et voilà. Et t'entends autour de moi, il va marquer un but. Il va se rattraper. Il n'y a aucun souci. On va en. Et 5 minutes après, tu vois sa frappe. Et là, c'est parti. Mais ils sont Quel passés but! 5 ans Quel devant but! moi. C'est le but de l'année. C'est le but de C'est l'année. fou. Tu dis, et un coup franc à Séville, magnifique. Un but là, voilà. On m'élance. On m'élance là où il doit être en Europe. Mais Et l'Europe va connaître l'Anse là. Petit Je me palmarès, permets. mais qui représente toujours la France brillamment en Coupe d'Europe. Petit palmarès, mais grand club, mais club européen. Je me permets juste Fulgini à Séville, Thomasson contre Arsenal. Donc, dans le coaching de Heys, c'est très important. Oui, Damien, justement, parlons-en du coaching. On sent une équipe de Lens qui, évidemment, a du mal à récupérer les ballons, mais en même temps qui reste patiente face à cette construction Arsenal qui n'est pas très efficace. Il y a quand même très peu de tirs à la fin. Et puis, il y a la sortie de Saka au bout de 33 minutes qui bouleverse complètement les plans de Mikel Arteta. Il n'a plus son moteur, un joueur si important pour le dynamisme de son attaque. Là, on se dit, il y a quelque chose à faire. Bah là, tout de suite, quand tu vois le joueur majeur, le joyau, sortir du terrain, bon, je pense que ça en a soulagé plus d'un dans l'équipe. Enfin, du moins, on peut l'imaginer. Surtout quand on voit que c'est Fabio Vieira. Alors, bon, j'ai beaucoup de respect pour lui, mais c'est pas du niveau de Saka. Mais C'est non, même pas le même profil en fait. C'est même pas le même profil. pas du tout. Pas du tout. Il n'a pas la même vitesse, pas la même vitesse d'exécution, il n'a pas le même pied non plus. Enfin, ce n'est pas quelqu'un qui va shooter de loin, parce que Saka, Ouais, mais on finalement. s'en fout d'Arsenal, en fait. Mais bon, voilà, exactement, j'allais y venir. Mais par contre, moi, par contre, ce que j'ai senti en deuxième mi-temps, c'est vraiment une équipe qui voulait faire bloc. Et alors, un autre joueur qui a été super impressionnant, c'était Kevin Danso, à son image. Il a mis Gabriel Jesus, lui, dans sa petite poche, et puis et ciao, Alors, bonsoir. vu de la télé, c'est Facundo Medina qui met Aussi, Jesus dans sa. Non, non, mais qui commence, il le fait sortir de son match, dès le il le fait début, sortir. non, Il c'est lui met Machado. des. À la télé, tu le vois, il lui met des coups de pression, mais Ah, pendant des 15 jeux de minutes. regard, hein, des jeux de Ah ouais, jeu de regard, regard, et il sort de son match. Il du sort de son match. comble torse. Bah, et c'est Sort de son Machado match, qui met. pas vraiment parce qu'il met le but quand même, mais. C'est Machado qui met Saka dans sa poche dès le début. Dès Ouais, la première ou deuxième il lui minute rentre de dedans jeu. tout de suite, en fait. Et tout de Ouais. suite, il tape au niveau du genou où il Ouais. fallait. Ouais. Boum! Ouais. Ouais, on a senti des défenseurs qui avaient vraiment pas envie de céder le terrain Et sur. Arsenal ne s'attendait pas à avoir une équipe en face avec autant d'impact qui allait leur marcher dessus comme ça. Enfin, jamais de la vie s'attendait à avoir ça en face. Ils font pas de vidéo, les mecs, chez Arsenal? Arteta l'avait prévenu, hein. Il Bah ouais. avait quand même prévenu. Les mecs Alors, ils sont pas regardés les matchs l'année dernière. non, mais est-ce que vous pensez pas que cette arrivée perturbée la veille, cette nuit qui a dû être plus courte que prévu, a quand même eu une incidence physique? Alors, on sait que c'est des grands professionnels, mais Sébastien, qu'est-ce que tu en penses? Non, pardon. Encore une fois, je suis sur le coup de. C'est dur, ces émissions, une demi-heure après le match. Ouais, non, 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 je suis d'accord avec toi. Tu fais bien de relever parce que, oui, effectivement, c'est des professionnels, mais après, on sait que tout est timé. Alors, effectivement, ça peut avoir peut-être. Eu de l'influence sur la préparation du match ou de l'avant-match. Enfin, voilà. OK. Bon, en tout cas, comme tu l'as dit, 31% de possession pour Lens. Effectivement, on a vu une réelle équipe d'Arsenal à Bollaert qui monopolise le ballon, en fait. Vraiment, sincèrement, et j'ai dit, j'en ai rien à foutre d'Arsenal, mais c'est vrai. Mais en ayant vu ce match, en revanche, en face, c'était pas dans un autre club d'Europe, tu es à Lens.
En fait, tu es à Lens, en fait. Et à Lens, c'est le théâtre des rêves, Lens, sans mauvais jeu de mots. Voilà, c'est le temple, c'est Bollaert. Et il peut tout arriver à Lens. Et c'est ce qui s'est passé. Ouais, alors Antoine, quand les corons sont entonnés et que le match reprend, on se dit qu'il y a des possibilités sur les côtés, notamment que cette équipe d'Arsenal, elle est faite pour attaquer, mais défendre beaucoup moins. Et notamment, tu me disais que tu n'as pas été impressionné par les défenseurs centraux d'Arsenal. Non, même on va dire que par Arsenal tout court, en fait, ils ont du talent individuel qui fait qu'ils se créent des occasions énormes. Parce qu'il ne faut pas non plus oublier la parade de Samba en début de deuxième et puis les deux interventions fantastiques en deuxième mi-temps. Mais globalement, dans le jeu, Arsenal, il me faisait penser à l'Espagne ou au Barça hyper chiant des fins de règne, quoi, en fait, où ils étaient chaos, ils n'avaient pas de solution. La défense française, le bloc, les emmenait sur les côtés. Et du coup, en fait, on sentait que tout était bloqué. Ils n'arrivaient pas à faire la passe, en fait, dans l'entrejeu pour créer un décalage et justement déséquilibrer le bloc. Et moi, ce qui m'a fait halluciner, c'est qu'en plus de ce côté un peu presque inoffensif d'Arsenal, ce qui m'a fait halluciner, c'est qu'on met un premier but, donc très vertical, on en a déjà parlé. Et puis le deuxième but, c'est une attaque placée. C'est Facundo Medina qui calme tout le monde, qui fait un décalage à Danso, qui met à Sotoka, qui met ensuite à Frankowski, qui centre pour un but, mais de numéro 9, de très haut niveau d'Eli Wai. Et là, en fait, tu te dis, mais on est en train de tout leur faire, quoi. Ils étaient dans le tambour de la machine à laver, avec la buée. Au nord, c'était les corons et c'était terminé, quoi. C'était terminé, c'était fantastique. Ouais, Thomas, on peut féliciter Franquès pour la préparation de ce match. Il a prévu un peu tous les cas. Il a dit à son équipe que ça allait être difficile à certains moments, mais il a surtout mis en place ce qu'il fallait pour marquer. Ouais, c'est ça. Et après, on connaissait notre force avec nos deux pistons. Ça vient encore d'un centre de Frankowski qu'on retrouve un peu mieux depuis le début de la saison. Et oui, bah voilà. J'ai entendu des 35 millions, 35 millions depuis le début du match. Bah, il n'y en a pas besoin de 36 d'occasion. Hein. Une seule. Et je Il pense a qu'il devait suffi. sortir 30 secondes après. Hein. Et bim, le but, il sort le long de la marée, l'ovation. Voilà, on l'a acheté à prix d'or pour ça. Et j'espère qu'il y en aura d'autres qui vont suivre. Ouais, Damien, si toi qui étais au stade aussi, est-ce que tu peux nous raconter comment tu vis cette action qui va tellement vite qu'on doit sentir un crescendo hyper rapide et la délivrance quand les Liwai réussissent ce geste fantastique dans la course? Ah bah quand on voit tout le jeu en première intention en fait sur l'action, mais c'est enfin même tout le long du match finalement, parce que on n'a pas tenté la possession, on n'a fait que de la première intention, de la contre-attaque, on leur a fait mal. Et alors quand on voit Frankowski déborder, qu'on voit Wai enfin arriver pile où il faut et que Saliba le lâche du marquage, magnifique. Magnifique. Et effectivement, comme disait Thomas, il n'en a pas eu besoin de 50. Une a suffi. Comme à Strasbourg, il a son occasion, il a son but. Voilà, ça fait filoche. Et ça lui fera du bien. Ça lui fait du bien au moral. Ça fait du bien à tout le monde. Et franchement, le voir rageur comme ça après son but, on sentait qu'il en avait besoin, qu'il en avait envie. Il a transformé l'essai. C'est Même sur magnifique. le but de Thomasson, il va célébrer avec Thomasson Tout de avec suite. plein de rage. Ouais, il est à fond. Bah, premier match de Wai, à Séville, il a joué ou pas? Oui. Bien sûr. Ouais, pardon. Deuxième match de Wai, premier but. Deuxième match de Thomasson, premier but. Premier match de Fulgini, premier but. C'est bien ça. C'est bon ça. Alors, je vais vous demander quel a été le tournant du match d'après vous. Antoine, qu'est-ce que tu vois comme tournant du match? Bon, il y en a plusieurs, hein. Il y en a plusieurs. Je pense que chronologiquement, je dirais que la sortie de Saka, elle est précédée aussi par l'égalisation de Thomasson. Donc, genre... Laisse-en aux autres. Ouais, non, bah, je vais commencer. Je vous laisse chronologiquement, mais je pense qu'il y a un premier tournant du match, c'est le fait que Thomasson il se rattrape de sa boulette, et je pense que ça remet toute l'équipe dans le bon sens. Ouais, Thomas, pour toi, quel est le moment qui t'a marqué? Quoi, c'est une des parades de Samba. Je vois pas très bien entre les drapeaux et les étendards. Mais il détend du pied, t'as un gardien dehors, non? Oui, sur Tomiyasu, sur un corner. Ouais. Magnifique. Damien, tu vois quoi comme tournant du match, toi?
Alors moi, le tournant du match que je vois, alors je voyais la parade de Samba sur Kai Havertz également, forcément. Mais après, c'est effectivement cette contre-attaque avec Machado pour Eddie Wahi et ça fait but, quoi. Il n'y a pas photo, hein, c'est ce tournant-là, le tournant du match. Et Ou Sébastien. pourquoi pas le but de Jesus aussi, qui finalement nous fait du bien malgré tout. On a pris le but, ben voilà, on n'a plus le choix. Il faut qu'on joue, qu'on attaque et qu'on marque. Sébastien, est-ce que tu vois un moment qui est plus Bah, important que d'autres? je vais tenter. Ils ont tous dit, tu me fais parler en dernier. Et ils ont tous Ah, dit c'est les tournants du compliqué, hein. match. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Moi, du coup, le tournant du match pour moi, il y en a deux. C'est le tifo. C'est le tifo. Le public. Et Sotoka. Parce que j'ai senti que Sotoka a pris ce rôle de capitaine au cœur du jeu et qui remplace Samba, qui est le réel capitaine et qui a fait une partie juste magnifique. Et je ne remets pas en cause le capitanat. Mais j'ai senti à ce moment-là Sotoka de National, qui est un des meilleurs joueurs en Ligue des Champions. Non mais après il en faut plusieurs des capitaines et au final c'est ça la grande force Bien aujourd'hui sûr. c'est que t'as Samba derrière qui a le brassard officiellement mais t'as Medina et Danso et Grady tu peux cibler Samed mais On Samed il peut est en parler train de tout le monde. Samed il monte en puissance Nampalis Mendy mais c'est le panic buy du siècle les gars ce mec c'est le panic buy du siècle et puis après devant t'as Eli Wei, t'as Sotoka t'as même Thomasson enfin il y a que des joueurs de caractère Y a tout. Frankowski ils sont tous Frankowski, tout. On peut tous les citer. T'as les rentrées aussi. Mais Ils font le après, taf. Mais carrément. c'est pas du tout évident de ressortir des joueurs parce que les 11 ont vraiment été exceptionnels. Aussi, leurs entrants, on peut les citer, Diouf, Fulgini, Saïd, Aguilar, ils apportent tous quelque chose et mettent beaucoup d'énergie dans cette fin de match où Arsenal fait tourner la balle sans jamais être dangereux. Mais on va noter des joueurs. Et donc, je vais commencer par Thomas, à qui je vais donner Facundo Medina. Ouais. Facundo Medina, Ouais, voilà, Facundo bah. Medina ou Facundo Medina. 8, 9, 10. Ça Il monte est plus. pas redescendu. Non, mais le mec, voilà, il a mis un attaquant dans sa poche, un deuxième. Je sais pas comment il l'a poche à son short, mais il les a tous mangés. Et tu mènes 2-1, et qu'est-ce que tu vois au milieu de terrain? Medina, en train de presser. Tu dis. Il est fou ce mec, il est fou. Et Ah ouais, voilà, mais. il est Moi, loco. j'adore sa spéciale où il arrive les deux pieds en avant et il fait pas Ah, mais il l'a fauter. fait combien de Il fois a... ça? La Et grinta. il a une agressivité dans le bon sens du terme où il arrive à se canaliser par rapport à ses premiers matchs en Ligue 1. Il plaisante avec l'arbitre, on sent qu'il est apaisé, qu'il est sûr de sa force. Et c'est magnifique à voir jouer avec les trois derrière. Il entraîne tout le monde. C'est ça. Antoine, je vais te donner un joueur qui a réalisé un grand match et on sait que les grands joueurs sont présents dans ce genre d'occasion. C'est Brice Samba, évidemment. Bah écoute, je lui mets Brice Samba sur 10. Voilà, Brice Samba sur 10. C'est un match parfait. C'est un match Brice Samba. Il est exceptionnel. C'est un gardien, c'est un relanceur. Je l'ai déjà dit en rigolant, mais pour moi, c'est le Emmanuel Neuer de Brazzaville parce qu'il est né là-bas. Et franchement, avec un match comme ça, il faut qu'on en profite cette saison parce que là, vraiment, il est dans le. Il est, il est, il est, il est dans le, dans les top 10 des meilleurs gardiens du monde au Ballon d'Or. Enfin, on s'en rend pas compte en fait. On s'en rend vraiment pas compte, mais il est dans les 10 meilleurs gardiens du monde et je pense qu'il n'est pas dixième. Et je pense que là, dans la hiérarchie de l'équipe de France, si Maignan il continue à être fragile. Ouais, c'est un énorme recrutement. Et on va parler d'une autre recrue que je vais donner à Damien et c'est à l'autre bout du terrain. Et là aussi, c'est un joueur qui est essentiel dans le dispositif de Francaise. C'est Eli Wahi qui a beaucoup couru et qui est récompensé. Moi, je lui mets 10 sur 10. Parce que finalement, dans sa zone de jeu, il a deux ballons à jouer. Et c'est une passe D et un but, quoi. À côté de ça, le match est compliqué, mais bon, il a Saliba et Gabriel Magalhães sur lui. Et mine de rien, il les attire. Parce qu'ils avaient peur, finalement, de sa vitesse, de ses dribbles. On sentait qu'ils n'étaient pas forcément sereins d'avoir un Eddie Wahi derrière eux. Non, il fait un match parfait dans le sens où c'était une passe D, un but. Qu'est-ce qu'on peut lui demander de plus à part mettre d'autres buts, peut-être, mais Parfait, c'est parfait. l'occasion, voilà, c'est parfait. C'est tout parfait.
Et Sébastien, bah, je voulais te donner le choix entre Florian Sotoca et Adrien Thomasson. Bon, tu as déjà parlé de Florian Sotoca. Tu peux reparler de lui ou tu peux choisir Adrien Thomasson? Moi, je peux parler des deux en 2 minutes ou en 30 Allons-y. secondes. Allons-y. Non, Sotoca, voilà, je l'ai dit effectivement tout à l'heure. J'ai vraiment, vraiment, il m'a vraiment, vraiment, vraiment émerveillé. Voilà, vraiment. Et j'aime, effectivement, c'est pour ça que les gens aiment Sotoca à Lens, c'est qu'il porte à lui-même les valeurs du bassin minier. Il porte les valeurs sang et or, en fait. Et aujourd'hui, il a fait un match exemplaire, je trouve. Voilà. Et Thomasson, moi, Thomasson, j'ai toujours adoré ce joueur. Si on se souvient, quand il a été recruté il y a 1 an et demi en arrière, non, il y a C'est moi, quelques mois c'est en moi. arrière, en janvier, j'ai toujours dit, depuis le début dans les émissions, j'ai dit, ça, c'est magique. C'est magique. J'adore ce joueur. C'est quelqu'un, vous avez vu comment il a célébré son but? Il a été boire de l'eau et voilà, et c'est bon, on se replace et on travaille et on joue. Voilà, moi j'adore ce joueur, c'est d'une simplicité et encore une fois qui porte les valeurs aussi du Racing Club Lens. Et c'est une équipe et c'est tout un groupe. Et c'est pour ça que c'est cette unité qui fait aujourd'hui, qui a fait aujourd'hui la différence face à Arsenal. Arsenal, un gros d'Europe, quoi. Deuxième de Première Ligue l'année dernière, s'il vous plaît. Bim! 2-1, on n'en parle plus. Et on en parlait hier avec Thomas d'ailleurs, que Thomasson serait décisif. Bon, moi, j'avais projeté plus sur le match de Lille, et Thomas, et je vais rendre à César ce qui appartient à Thomas. Il avait dit qu'il pourrait aussi être décisif demain, donc voilà. L'un n'empêche pas l'autre. Bravo. T'as du flair, Thomas. Ouais, bah, grosse, c'est là qu'on voit la grosse performance à la fois offensive et défensive de joueurs qui ont été polyvalents. C'est peut-être ce qui a manqué aux adversaires ce soir, qui sont restés un peu dans leur fonction, qui n'ont pas dépassé leur capacité. On va donner des cartons rouges et verts, si vous voulez bien. Donc, levez la main si vous avez un carton rouge ou un carton vert à donner. Sébastien? Je l'ai dit, le stade, le public, les supporters, Le tifo est le fou. tifo, mais laisse tomber, énorme. Là, on est digne d'Europe. Bon, on le savait déjà, mais on n'y était pas en Europe. Maintenant, on y est. Et là, il y a tous les pays en fait européens qui vont voir en fait ce que Lens est capable de faire. Donc, grand, grand respect. Il y a tous les joueurs et au staff, bien sûr, parce que encore une fois, j'ai des cœurs dans les yeux. Voilà, là ici, ça bat fort. Et vraiment, félicitations à tout le monde. Et encore une fois, le public qui est toujours là, toujours présent. Et ben là, il était encore une fois en mode Ligue des Champions. Un autre carton rouge ou carton vert? Il n'y a pas de carton rouge là. Moi, je me dis que en fait la façon dont on a joué, c'est grandiose. On a vu une capacité à contenir, une capacité à aller chercher, à défendre en avançant, même à 1-0, on a marqué sur une presque contre-attaque, on a marqué sur attaque placée, on a su faire le dos rond. On a fait une prestation majuscule, quoi. Donc, en fait, c'est juste, je voulais tirer un énorme hommage, enfin, rendre un énorme hommage à cette équipe, quoi. En étant tout à fait objectif, en essayant de sortir quelques secondes de la soirée, mais c'est juste colossal ce qu'ils ont fait. Donc, je voulais juste leur dire merci, quoi. Thomas, je vais te donner la parole si tu as quelque chose qui t'a vraiment plu pendant ce match. Ouais, du début à la fin, c'est magique. On ne pouvait pas rêver meilleure soirée. On peut penser à Clermont, Bourg-en-Bresse, Brest en Ligue 2, mais tous ces stades où on était tous, où il y avait du monde, où on était devant la télé le lundi soir, le samedi après-midi, le vendredi soir, tous ces moments de galère, on les a vécus pour attendre ces moments-là comme ce soir. Et franchement, merci à tous les supporters d'être restés là. Et merci à Joseph, Arnaud Pouille, à Benjamin Barraud, à Hugo, à tout ce staff, à tout ce club qui mérite d'être là aujourd'hui. Et on n'est pas ridicule, on est en tête de notre groupe de Ligue des Champions, putain. On a eu le tirage au sort, on s'était dit, allez, troisième, ce serait bien. Et peut-être qu'on sera troisième ou quatrième à la fin, mais putain, qu'est-ce qu'on peut être fier de cette équipe et de ce club. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'équipes qui prendront 3 points contre Arsenal. Et je pense que dans la course pour la troisième place, là, on a vraiment fait un coup, là. Je me permets juste, excusez-moi, j'ai croisé Arnaud Pouille au match ce soir. Et
Je lui ai demandé si il était stressé pour ce match. Et Morgan fait « Seb, que du plaisir !» Et il dit « En revanche, il faut gagner Lille ce week-end. » Ah, ben oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et Damien, toi qui avais ce maillot or dans ton armoire, on l'a ressorti ce soir, c'est un lance de gala. Tu étais content de le revoir, ce maillot? À qui Damien, tu... Je posais la question à Damien. Ah, pardon, excuse-moi, j'ai pas entendu. Non, je disais, on a ce maillot or dans ton armoire et tu l'aimes. Et on l'a remis ce soir et on l'a mis avec des vêtements de gala, vraiment. Ah, ben là, parfait. Un lance rempli d'or, à cœur d'or même. Un cœur d'or pour ces 100 heures. Et franchement, ils ont fait honneur au passé européen du Racing avec ce match ce soir, déjà à Séville. Mais encore plus ce soir devant tout ce public. Non, prestation XXL. Tu parles d'armoire, Hugues. Dans notre armoire de matchs de légende en Ligue des Champions, même en Coupe d'Europe, il y a quand même un point commun à beaucoup de victoires du Racing Club de Lens. C'est qu'on encaisse souvent le premier but et qu'on renverse souvent les situations. Parce que j'ai quand même pas mal regardé des archives là, ces dernières semaines avec l'excitation de Ligue des Champions. Et Arsenal, notre premier match de Ligue des Champions de l'histoire, on est mené 1-0, on égalise. Tu as les victoires à domicile contre la Corogne, contre Milan, les victoires contre le Celta Vigo. J'en oublie certainement en route, je ne vais pas faire mon grec l'allemand là, mais il y a un nombre d'exploits du Racing Club de Lens où en fait on encaisse le premier but et on arrive par une force mentale incroyable. Et ça ramène encore quelque chose à la mystique de ce stade. Qui fait que ouais, c'est encore une victoire, en fait. Elle m'a fait beaucoup penser à la victoire du Milan AC, en fait, cette victoire. Eh oui, donc il va falloir pour les Lillois vraiment hausser le niveau de jeu. C'est comme ça qu'on va conclure cette émission, suite de la Ligue des Champions avec une nouvelle rencontre à Bollard. Ce sera le mardi 24, dans 3 semaines. Lens recevra le PSV Eindhoven. D'ici là, on revient à la Ligue 1. Évidemment, vous avez tous marqué dans votre calendrier cette 8e journée avec ce Lens-Lille, dimanche 17h, et on débriefera la confrontation contre le LOSC dans l'émission de lundi. Je vous remercie d'être fidèle à nos directs, même à des heures indues, ou en l'écoutant en différé. Merci aux chroniqueurs qui m'ont accompagné. Thomas, qui a envie de dire quelque chose encore? Ouais, bravo à Yul hier qui a bien pronostiqué 2-1. Ouais, je voulais le dire aussi, bravo. Et juste pour conclure, parce que plein de trucs qui me viennent en tête, mais rappelez-vous, c'est Kofofana qui a quand même dit, je sais pas pourquoi il a dit ça d'ailleurs avant le démarrage de Ligue des Champions, mais qui voulait que le RC Lens soit l'Ajax 2019. Voilà, rappelez-vous que c'est Kofofana a dit ça. Voilà. Ouais, c'est effectivement un bon présage. Merci donc Antoine, merci à Sébastien, merci à Damien, tu peux ouvrir le champomis, là, il est l'heure. Et merci à Alexis, à la technique. Vous nous retrouvez sur culturesansailleurs.com, sur nos réseaux sociaux, pour lire toute l'actualité du RC Lens. Portez-vous bien, rêvez d'étoiles et bonne fin de soirée à tous. Salut à tous. Bonne soirée.